যেটি সুন্দর Nous sommes en direct de l'île de Ré, à Loire, avec Frédéric Voisin euh, dans les rendez-vous de Noé, une émission euh, donc, euh, du laboratoire d'idées Noé, coproduite par RCF et Web TV Info, dont le fil conducteur est l'économie de la mer. Et euh, René Blanchemanche, qui est membre de Noé, était en train d'interviewer M. Frédéric Voisin et demandait euh, pourquoi euh, des crevettes impériales à l'intérieur de ces clairs. Oui, pourquoi cette dualité entre des huîtres et des crevettes Quel est le rapport entre les deux Le rapport, c'est que les marées littoraux, particulièrement les marées littoraux rétées, ont toujours été envahis de plantes aquatiques. Et d'algues puisque c'était des vasées où on faisait évaporer l'eau le, de mer et concentrer le, le sel. Et donc on s'en fichait bien qui est euh, donc une population de, de plantes euh, importantes Et il se trouve que ces plantes euh, monopolisent donc toute la photosynthèse, l'oxygène, les éléments nutritifs. Et donc, quand on a un marais qui est envahi par des plantes, on ne peut pas produire de plancton. Donc, on ne peut pas produire non plus d'huîtres. Donc, pour pouvoir avoir du plancton, il ne faut plus les plantes. Et donc, ouais. les crevettes, par leur activité euh, donc de labour, puisque les crevettes, elles mangent des néréis elles mangent des petits vers de vase. Ouais. Alors, ces petits vers de vase, elles vont les chercher essentiellement la nuit, en labourant le fond d'éclair. Et donc au petit matin, l'eau est complètement trouble. Et donc cette eau trouble empêche la lumière de pénétrer jusqu'au sol et les grosses plantes qui ont l'habitude de vivre pendant des siècles et des décennies aussi dans le fond des clairs ne peuvent pas s'accrocher ces plantes et donc on a une asphyxie de ces plantes au bénéfice d'un plancton pour les huîtres donc une certaine catégorie d'algues disparaît au profit en fait d'un meilleur d'une meilleure nourriture une meilleure biodiversité pour les crevettes qui elles-mêmes alimenter après les huîtres. Alors c'est même bien, ça, ça va même au-delà de ça parce qu'en fin de compte, quand on laisse les plantes aquatiques se développer, on a donc des phénomènes de trophisation qui se créent et donc on a euh, à un moment donné un déficit tel d'oxygène. Euh, Qu'on a des casques, donc tout, tout pourrit hein, en clair, tout, tout devient euh, putride. Mmh. Et donc on n'a pas de vie dans les marais où il euh, y a eu euh, un, un manque d'oxygène et où les plantes ont pourri. Et donc le, les marais dans lesquels on a des crevettes euh, sont à l'équilibre avec un, un, donc un, un rapport euh, euh, oxygène tout à fait euh, correct, ce qui permet à un ensemble de populations animales de cohabiter. Donc cohabitent dans mes bassins euh, en tout premier lieu donc les Néréis qui, qui, qui les se verres. voilà alors j'entretiens un petit peu les Néréis grâce à des algues brunes de mes parcs donc euh, quelques fois par an je, je fait des apports d'algues brunes de mes parcs agrébio et donc les Néréis trouvent donc là une matière organique euh, les crevettes trouvent les Néréis en creusant la vase et les crevettes par leur activité euh, développent euh, euh, tout un ensemble de nourriture pour les huîtres qui sont donc dans les bassins. Mais euh, parallèlement, euh, ça devient aussi un garde-manger pour tout un ensemble donc de populations euh, littorales. Euh, même si je filtre en amont euh, pour remplir les bassins. Euh, on n'arrive jamais à empêcher euh, la pénétration, qui n'est pas donc, grave, mmh. des œufs de poissons. Et donc on se retrouve avec une éclosion des autres de poissons, et on se retrouve en fin de saison dans mes bassins avec une population euh, vraiment conséquente euh, d'alvins qui ont bien profité du mmh. système, en toute cohabitation et, avec... Euh, les autres espèces que moi j'ai amenées, mais on a donc les, les autochtones qui sont là et euh, qui repartent à la mer. Et comment se fait la maîtrise de la qualité de l'eau dans, 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 dans vos bassins par rapport à la mer qui est présente Elle est juste là au bout de. Euh, du, du, du grand bassin, elle est aussi de l'autre côté, c'est-à-dire on est vraiment à l'extrémité de l'eau on a la mer qui nous entoure. Comment vous maîtrisez euh, cet équilibre qui existe dans vos bassins Alors en fait l'eau euh, est commandée par euh, donc des systèmes de clapés et de tuyaux, de surverse, et donc on gère euh, les arrivées d'eau de manière à ce qu'il euh, y ait un renouvellement régulier, mais pas que, euh, on gère euh, les arrivées de manière à ce qu'on euh, est à peu près 20% de renouvellement à chaque ma grande maline. Les malines, c'est les cohésions ah oui. de plus de 80, donc à peu près tout, tout, deux fois par mois. Donc on a 20% deux fois par mois de renouvellement sur les, les clairs, ce qui permet donc euh, de maintenir euh, un écosystème totalement différent de celui de la mer. Ouais. Cet écosystème, il est différent parce que dans mes bassins, il y a euh, un ensemble de populations de Néris différents de celui qu'on trouve dans les strands. Parce que aussi, il y a euh, donc, des bassins avec une eau au repos, donc extrêmement euh, euh, exposés aux ultraviolets, donc les ultraviolets ont un rôle épurateur. Et donc on se retrouve avec un écosystème où euh, la place est prise par un ensemble de micro-organismes euh, non pathogènes. Si bien que même une pollution, euh, comme on peut avoir de temps en temps, par exemple, on, en mer, on a des, des efflorescences toxiques, euh, il y a des planctons, il y a des pollutions. Euh, dans les marais, on a une capacité d'épuration et on a une, euh, une population donc, euh, qui est saine. Ouais, euh, et qui filtre. Qui filtre et qui est saine, c'est-à-dire que le marais a un rôle épurateur. Et il a été démontré donc, que le marais a une capacité d'épuration des coquillages. Donc, on a des résultats d'analyse pour les coquillages transitants dans le marais qui sont supérieurs à ceux restant en mer. Voilà. Donc, non seulement le goût est différent, on parle de l'affinage quand on dispose des huîtres issues de la mer pendant au moins trois semaines en clair. On parle d'un affinage Donc le goût change parce que le plancton est différent, parce que le système est différent. Oui, on, on le remarque quand on déguste euh, vos huîtres, puisqu'on a l'occasion, moi j'habite La Rochelle, évidemment, vous avez votre banc à La Rochelle, il y a un goût inimitable euh, de, de, de noisettes dans, dans vos huîtres qui, qui est lié directement. À, 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 à cette maîtrise de l'écosystème Alors en fait, le goût noisette, c'est plutôt le, la, la santé de, de, des huîtres qui, qui crée le goût noisette. Le goût noisette, il est induit par euh, un, une molécule qui s'appelle le glycogène. Le glycogène, c'est la même molécule que l'amidon, c'est-à-dire mmh. euh, la substance de réserve que l'on trouve dans tout. Euh, alors pour l'amidon, c'est le règne végétal, et le glycogène pour le règne animal. Mmh. Il se trouve que c'est cette molécule qui a essentiellement le goût noisette. Et donc après, on trouve dans les des huîtres passées en clair, euh, des typicités, donc euh, euh, tourbe, euh, iode. Alors ici, on est... Très 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 iodé, hein. le oui. territoire euh, a, a une énorme biodiversité encore, même bien qu'elle soit mise à mal euh, sur Estran. Et donc cette biodiversité euh, a induit donc une, une, un taux d'iode, un taux de, 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 de présent dans les coquillages très très fort. Euh, tel point que ce, ce taux d'iode est souvent euh, euh, à tort euh, pris pour un taux de salinité. Alors bien évidemment, on a euh, très peu d'apports d'eau douce à l'île de Ré, surtout à Loie, hein, sauf quand il pleut, donc on, on gère les surplus d'eau douce par les systèmes de tuyaux dans mes clairs, mais il clair, n'y a pas d'apport régulier d'eau douce comme il peut y avoir dans un bassin versant, euh, Charente, ceux, donc, mm -hmm. voilà. donc on a des clairs austricoles qui sont moins sujettes qu'ailleurs aux apports d'eau douce, et plus sous influence donc euh, de la mer, avec un taux donc, de diode certainement supérieur euh, pour mes huîtres, puisque je suis vraiment au milieu de la mer, par rapport à d'autres de mes confrères, et avec une spécificité donc liée au terroir, euh, liée à la vase, liée à l'écosystème que j'ai monté. Oui, C'est-à-dire qu'au niveau des terroirs, c'est clair qu'on est un peu comme en Bourgogne, on est sur un climat chez vous. C'est ce qui différencie du AOC. Vous êtes sur un climat, quelque chose de très particulier. En fait, il euh, y, y a deux facteurs qui influencent énormément le goût pour euh, des huîtres. C'est donc l'écosystème, euh, surtout l'écosystème final. Alors, euh, je ne dis pas que les, les trois premières années, ça compte pour, pour rien, mais l'écosystème final les marque très très vite. Hein. Donc l'écosystème fiable a une typicité liée à l'ensemble des micro-organismes, l'ensemble du système dans lequel baignent les huîtres. Et euh, ensuite, euh, on n'a pas tous, entre chacun de nous, même si on a les mêmes obligations de mise en marché sur la purification, on n'a pas tous le même système de purification. Alors moi, je suis euh, très axé sur le, le naturel. Et donc, j'utilise euh, comme méthode de purification avant mise en marché l'eau de mes marais. L'eau qui est à Laguné, hein, qui a été donc euh, dans tout l'ensemble le, de mes marais. Hein, je rappelle que j'ai 7 hectares de, de marais à terre et, 10, et 3 en mer. Donc l'eau passe dans les marais, se transforme et revient chargée de micro-organismes et de plancton dans les bassins de purification qui sont en, en bout de chaîne. Nous sommes avec Frédéric Voisin à lois sur l'île de Ré et dans le cadre des rendez-vous de Noré. Euh, Les Rendez-vous de Noé est une émission du laboratoire d'idées Noé, coproduite par RCF et Web TV Info, dont le fil conducteur aujourd'hui est l'ostréiculture, une ostréiculture euh, biologique, hein, avec, euh, en, euh, donc, euh, qui se fait avec des crevettes euh, impériales bio, pour euh, avoir un écosystème complet. Et euh, c'est cette explication-là qui est en train de, de développer euh, Frédéric Voisin. Et donc... Euh, euh, Qu'est ce qui fait qu'on peut se prémunir des pollutions qui pourrait y avoir au niveau de la mer euh, lorsqu'on est un ostréiculteur et qu'on essaie de faire du biologique? Alors en fait on est quand même euh, extrêmement euh, vulnérable euh, tous les conquiliculteurs à la qualité de l'eau. Et donc euh, je suis assez euh, engagé au sein des représentations euh, professionnelles contre euh, donc, toutes sortes de pollutions. Et donc j'essaie de défendre à chaque fois que je le peux euh, l'importance et la, la qualité de l'eau. Donc on a euh, besoin de, que, que le grand public soit sensibilisé sur la vulnérabilité de nos élevages. Donc il y a une classification de la qualité de l'eau qui se fait par l'IFREMER, c'est extrêmement sérieux. La mise en marché donc, des produits dans notre région est, est traditionnellement faite avec des produits vivants. Je rappelle que ce n'est pas du tout le cas dans, sur toute la planète, que plus de 90% des coquillages sur la planète sont consommés. Cuit et pas vivant, et donc pour pouvoir consommer vivant comme nous le faisons tout charente de tradition, évidemment il y a un système super solide de mise en marché et avec donc extrêmement peu de, de, de problèmes sanitaires. Alors on est très vulnérable sur les, les problèmes sanitaires. Euh, dès qu'il y a un système d'alerte, alors il y a un système d'alerte qui existe sur tout, tout ce qui est pollution, on a l'air moderne sur les SMS, on peut fermer les marées. Moi, si je ferme mon marais, je reste autonome deux mois. Pendant deux mois, j'ai je... deux mois d'autonomie là dans mes marais. Grâce à votre écosystème. Euh... Grâce à mon écosystème, pendant deux mois, je peux complètement fermer. Donc, quand il y a eu des alertes très sérieuses sur des mortalités, eye, oui. vous, vous, vous vous arrivez à, à tenir deux mois, donc à laisser passer l'orage et à revenir à ce que l'Ifremer vous redonne euh, en fait euh, un, un constat biologique ou biologique puisqu'ils ne font là. pas du systémique. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, excusez-moi. Il y, y a donc les alertes iFremères pour les problèmes sanitaires euh, interdisant la mise en marché ou créant le retrait des marchés. Donc ça c'est des, des, des phénomènes ex, extrêmement rares euh, au niveau de, de l'île de Ré, hein, puisqu'on euh, on est quand même dans une zone préservée. Et après, euh, il y a euh, euh, les efflorescences toxiques ponctuelles, par exemple, après Xintia, on a eu euh, donc un dérèglement lié à toutes les pollutions de, de, oui. entraînées par les submersions marines. Et donc, on a eu une alerte. Euh, et donc là, je peux continuer à commercialiser mes produits parce qu'on a démontré que les marées ont une capacité d'épuration. Et Il suffit de fermer euh, les, les, les prises à la mer pour rester autonome. Bon. Alors, on a une, un réseau de surveillance individuel et collectif, euh, géré par l'Ifremer et les laboratoires départementales. Euh, pour ce qui est de l'agrément bio, j'ai quelques analyses supplémentaires également. Donc c'est très très surveillé. La mise en marché est très surveillée. C'est pour ça que je peux dire que le Marais a un rôle épurateur, parce qu'on a dans les résultats d'analyse vraiment... C'est c'est probant. Ex c'est extrêmement euh, rassurant pour le consommateur. Euh, on est vraiment sur des produits d'exception, puisqu'ils sont protégés grâce à votre pratique, mais d'une manière générale, votre pratique à vous, hein, qui est particulière. Et le choix que vous avez fait de passer en, en, en biologique est est une exception, je crois. Alors, en fait, on peut très très bien développer l'agriculture biologique sans avoir de marée, et on peut très bien faire des huîtres bio sans avoir de marée. Donc, c'est quoi une huître bio Donc, ça, il est grand temps de répondre à la question, je pense. L'huître bio, en fait, c'est une huître qui est issue euh, donc euh, 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 soit d'un captage naturel et qui n'est pas, en tous les cas, donc, issue d'un croisement, euh, la rendant stérile. Il existe deux sortes d'huîtres. Euh, mis sur le marché aujourd'hui, vous avez donc les huîtres diploïdes et les huîtres triploïdes. Triploïdes, ça veut dire qu'elles ont été issues d'un croisement et qu'elles ne sont jamais laiteuses. C'est ce qu'on appelle les huîtres des quatre saisons. Oui. Aujourd'hui, les triploïdes représentent 50% du marché et certainement 90% du marché haut de gamme. Donc, tout ce qui se fait en haut de gamme au point de vue grande, euh, grande euh, cuisine au niveau des grands chefs, c'est pratiquement que de la triploïde et essentiellement des triploïdes d'eau froide, c'est-à-dire euh, Normandie-Irlande. Mm -hmm. Donc, pour pouvoir faire du haut de gamme en France euh, avec un agrément bio, on ne peut pas être en triploïde, on peut être qu'en qu diploïde, c'est-à-dire. Pour ce qui me concerne, c'est des huîtres issues de captage naturel. Et pour euh, le, le haut de, de ma gamme, c'est des huîtres qui ont vécu dans les marais avec les crevettes, qui ont eu là donc une nourriture vraiment euh, très riche et particulièrement euh, marquante pour le goût. Et donc les meilleures huîtres pour les producteurs euh, comme pour moi, euh, tous les producteurs de Poitou-Charentes et comme pour moi, ce sont les huîtres qui ont Vécu en clair, on appelle ça des pouces en clair. C'est des huîtres qui ont grandi dans l'éclair. L'huître peut grandir en mer entièrement. On peut la finir trois semaines un peu dans l'éclair, ça fait une fine de clair. Fine, ça veut dire qu'elle est pas très charnue. Hein. Spécial, ça veut dire qu'elle est très charnue. De clair, ça veut dire qu'elle est passée dans l'éclair. Trois semaines pour les fines et euh, plus de d'un mois pour les spéciales. Les pousses en clair, c'est des huîtres qui ont grandi carrément hein, une bonne partie de, de, de la saison. C'est la majorité de votre production, la pousse Ah non, c'est complètement limité, si vous voulez, par la capacité des marées. Mm -hmm. on, la, la capacité trophique des marées, euh, si on ne la respecte pas, on ne fait plus du bio, on ne fait plus un écosystème équilibré. Mm -hmm. Et euh, donc. Euh, Puisque, on le rappelle, vous êtes en élevage extensif. Hein. Voilà, c'est totalement extensif. C'est le mot qui convient de rappeler à ça. C'est clair, parce que euh, le, on pourrait faire beaucoup plus d'huîtres, mais on ferait pas des huîtres très charnues, il n'y aurait pas assez de nourriture. On pourrait faire beaucoup plus de crevettes ben, en apportant de la nourriture, mais on ferait pas les huîtres. Donc en fait, euh, euh, moi je mets dans la balance de mon bilan euh, ce que je ne mets pas en achat de granulés pour les crevettes, oui. ce que je produis en huîtres. Euh, en plus des crevettes, et donc c'est tout ça qu'il faut voir. Et en, en fin de compte, euh, la stabilité des prix aussi au bout et la, la satisfaction des consommateurs. Alors euh, l'agrément bio c'est un plus euh, bien sûr, mais on, on peut très bien faire des bonnes huîtres agréées bio sans avoir de clair, puisqu'on peut faire un plan de contrôle, euh, faire vérifier régulièrement ces huîtres en mer, et avoir un, un agrément bio pour des huîtres issues de pleine mer. Ce n'est pas mon code, moi tout vient de la claire. Et en fait, mon système de, de purification avec l'eau de mes claires et mon système de production, euh, crevettes, élevage associé, évidemment, a dû être agréé aussi par euh, le certificateur, en l'occurrence le bureau Veritas pour ce qui me concerne. Comment vous maîtrisez la totalité de vos naissins Regardez la couleur de la queue, c'est une queue bleue irisée. Donc vous avez deux parties de défense pour la crevette, c'est-à-dire le rostre devant oui. et le telson. Donc ah oui, question, euh, voilà ouais. question pour le jeu des mini francs, c'est quoi, quoi <laughs> le picard? Le rostre et le telson. Le rostre, il telson. Il telson. <laughs> voilà. Okay. Donc la crevette impériale des marées, donc euh, Penaeus japonicus, en petit, son petit nom latin. Donc je suis peneiculteur. peneiculteur. Voilà. Entre, entre autres puisque euh, aquaculteur puisque je fais de l'élevage en, en mer euh. et alors là elles sont là ça veut dire qu'il y a un échange d'eau entre alors là en, donc c'est le euh, bassin de réserve donc des crevettes euh, avant la mise en marché hein, ouais. et, et le, euh, là vous avez donc devant vous un bassin euh, bâché pour euh, que les oiseaux ne viennent pas me les, 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 ouais, les choper. Ouais. J'avais fait une, une belle serre bien solide, elle a été emmenée avec la tempête. Donc là, c'est une eau donc, qui est en beaucoup fait... plus trouble que celle qui est, qui est euh, à côté Alors là, vous avez l'eau qui a été entièrement filtrée par les, <laughs> les huîtres qui sont filtreuses. Et donc là, le, 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 les crevettes n'ont pas filtré l'eau. Donc le, vous voyez la différence de couleur entre les deux bassins. C'est encore plus de, euh, flagrant de l'autre côté. D'accord, ok. Donc, ouais. Je remets les crêtes à l'eau. Oui. Ben oui, euh... oui, oui. Ouais, C'est ça... peu... important. Merci. Pour le consommateur que l'on est, on est aussi citoyen, qu'est-ce que vous nous conseillez euh, de, de faire pour préserver euh, l'île sa diversité, son, son, son environnement Qu'est-ce que nous, on peut agir puisque. Euh, les pollutions qu'on a trouvées, euh, elles peuvent être d'origine des plaisanciers. Hein, on a des, des, des DG, euh, des fois, qui sont quand même importants. Et l'information, est-ce qu'elle passe bien avec les, les autres usagers de la mer il n'y a pas de doute qu'il y a une, un problème de, de compétitivité et d'activité euh, au niveau de la mer. Hein. Euh, on a donc besoin d'éloigner nos élevages des, des activités humaines. Donc, on a besoin de, donc, du soutien de la population quand on fait une enquête publique pour créer une filière euh, comme à la Malconche. On n'a vraiment pas besoin qu'on nous mette des bâtons dans les roues pour ça. Il faut qu'on s'éloigne des activités humaines et il faut développer les, les zones où on peut le développer, puisqu'il y a énormément de zones pendant ce temps-là qui sont. Dégradés. Donc la sensibilisation du public pour nous c'est très important. Et donc on a vraiment besoin que le, euh, tout le monde me, euh, se, se compatisse à notre cause pour la qualité de l'eau, pour le développement de nos élevages. Oui, donc euh, nous effectivement, consommateurs et citoyens, euh, on ne peut qu'agir positivement pour soutenir euh, ces filières. Euh, c'est vrai que euh, les huîtres en pleine mer et les projets de filière comme la malconche sont importants pour préserver tout ce secteur économique afin qu'ils ne disparaissent pas. C'est une des issues possibles, surtout que de ce que l'on sait c'est que ça sera un projet autogéré, c'est à dire c'est en fait la filière ostréicole qui va le gérer et il y aura en principe d'après ce que l'on a vu sur le cahier des charges que de la diploïde. Alors, en fait, moi, je ne connais pas bien le dossier Malconce. Hein. Le dossier Malconce, je n'en fais pas partie. C'est sur l'île d'Oléron. Mais vraiment, je le soutiens dans le principe parce qu'on a vraiment besoin donc de, de, de développer notre activité et de trouver des solutions pour pallier à la perte donc de qualité, de qualité locale. Eaux, ouais. Alors, il y, y a un aspect des choses qui est extrêmement important pour le, le bassin local de production c'est donc la qualité de l'eau et. et la quantité de nourriture disponible pour les coquillages, c'est-à-dire euh, combien il y a de monde à table, qu'est-ce qui reste à manger. Et donc en faisant donc des grandes opérations donc euh, financées par le, 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 collectivement par le bateau de dragage qu colle qui vient régulièrement dans nos zones, on, on améliore considérablement euh, le, le, la, la quantité de nourriture disponible et on diminue la quantité de monde à table. Donc, euh, il est très important pour nous de faire valider toutes ces campagnes donc de nettoyage de nos zones ostréicoles, d'avoir le soutien de la population pour toutes les, les parties développement et les parties donc euh, sensibilisation pollution. On a quand même encore beaucoup de ports petits et grands, euh, qui euh, nous, nous balancent des métaux lourds euh, issus des, des carènes de bateaux. Hein. On a encore beaucoup d'anti-fulling polluant euh, sur beaucoup de bateaux, notamment la marine marchande. Et euh, on a encore donc... Euh, un arrêté préfectoral absolument gravissime qui nous nez pour des mesures de déclassement sanitaire de nos zones conquilicoles Bon ben ça c'est des, des problèmes de gestion des fluents, euh, des activités humaines. Euh, il nous faut tout le soutien des élus, il nous faut tout le soutien de la population pour ce sujet. Nous étions en direct euh, de Loire avec euh, René Blanchemanche et euh, Frédéric Voisin. Euh, donc, c'était euh, Les Rendez-vous de Noé, une émission du laboratoire Noé coproduite par RCF et Web TV Info. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt.